Salut à tous et bienvenue sur Geese Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode sur The Forest, alors j'espère que vous avez le cœur bien accroché, parce que c'est parti. J'ai trouvé une petite grotte, alors je vais vous y amener rapidement, mais pour l'instant je nettoie un peu l'avant de ma base, parce que souvent ça repousse quoi. Et j'ai besoin, alors je le fais avec l'outil de réparation parce que je veux pas détruire ce que j'ai crafté, ce qui arrive assez fréquemment. Au final, alors on va remettre des bâtons ici, ici. On va remettre des bâtons ici. Voilà. Alors, certains verront qu'il y a des petites modifications un peu partout dans ma base. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est pas une modification. Non. Attendez. Voilà. Je voulais récupérer les plumes. Donc en modification, j'ai fait des rails pour sécher la viande, ça je crois que j'avais montré. Ici, j'ai fait un mannequin pour les armures. Donc c'est dans les storage, je crois. C'est celui-là, l'armor rack. Donc il est là. Donc j'ai quelques armures qui traînent. Bon, genre, je peux encore mettre des peaux de lézard dessus, mais typiquement, ça marche comme ça. Je vous montre. Alors, R, je change, je vais mettre cela, C. Et C, voilà. Donc ça me permet de stocker les armures que j'ai en trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger. Oula, il y a une tempête qui arrive, on dirait. Je vais me faire juste un petit coup à manger. Avec ça. Que c'est pas mal ça, et après on ira directement à la grotte. J'espère que le jour va tenir. J'ai une tête, c'est pas ça que je veux faire. Je pensais avoir du poisson. Voilà, voilà, je voulais mettre ça. Donc j'ai fait ça ici. J'ai fait, on va récupérer le petit lapin. Bon, le petit lapin, on va le tuer. Désolé, lapin, j'en avais trop. On va réactiver ce piège. Ça, c'est notamment, je m'en sers surtout pour les lézards. Pourquoi j'arrive pas aujourd'hui? Je sais pas. Et ceux qui le regardent voient que là, j'ai mis un truc pour les pots. Donc pour les pots, c'était skin rack. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Donc super pratique. Hein. Voilà. Donc j'ai essayé aussi de faire des cabanes suspendues dans ces arbres-là. Genre ça, là. En fait, je me suis rendu compte que cet arbre était bugué. Il me permet de les faire à ras-le-sol, ce qui n'est pas du tout le but. Il me permet pas de les faire en hauteur. Et cet arbre-là, il me permet pas du tout de les faire. Donc je vais peut-être le supprimer. Je peux pas construire sur ces deux arbres. Voilà. Donc ici, il n'y a rien qui a changé. J'ai toujours ces pièges-là. Juste, je vais nettoyer un peu les bâtons. Voilà, je nettoie avec ça pour éviter de tout casser. Au pire, si je tape dans un truc, ça le répare. Ça le casse pas. Voilà, typiquement, ça c'est fait. Impeccable. Donc voilà, on va aller récupérer la soupe et on y va. Ça, ça me remet de la nourriture. Tiens, excusez-moi, une petite... Alors je sais pas si j'avais montré aussi en vidéo ça, le récupérateur d'eau de pluie. Donc à chaque fois qu'il y a une averse, je récupère de l'eau. C'est assez pratique. Alors, hop là, je vais mettre un lézard. Voilà, et je vais en récupérer un. Théoriquement, il faudrait que j'en fasse d'autres. Hein. Voilà, ici, je vais prendre un lapin comme ça. Voilà, j'ai du lapin dryed, donc déshydraté, séché. Ça c'est ok. Qu'est-ce que je pourrais poser? J'avais fait de la peinture. Ça, j'en ai. Ça, j'en ai. La tête, je vais la poser. Parce que c'est pas la peine d'avoir une tête sur soi. Donc, j'ai commencé. Je suis rentré, j'ai mis deux pieds dans la grotte, je vous avoue. Et je suis parti parce que je voulais absolument la filmer. Alors, et j'ai fait... Oh, merde. Voilà. Bon, moi, on va commencer par un petit combat. Parce que... Elle m'a vu. Allez, viens. On va commencer par un combat.
que je suis gaulé. Allez, viens, avance, avance encore un peu. Voilà, ça c'est fait. Le mec, il est où? Voilà. Et donc lui... Oh là, c'était un gros ratage. Voilà. Ça c'est fait. J'ai eu tout le monde, je crois. J'en entends encore une qui queen. Je vais réarmer les pièges. Et je vais pas m'arrêter pour dépecer tout le monde. C'est pas la peine. Alors lui, je vais le récupérer. Je vais essayer de récupérer ça. Voilà. Va des rétros. Va mourir ailleurs. Donc voilà. Bon, bah vous voyez, je me suis habitué quand même à mes défenses. Ah, je crois que je vous ai pas montré, mais j'avais mis ça. J'avais mis des piques pour renforcer les défenses juste autour. Je vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. J'avais mis des piques, donc là aussi de ce côté, pour bien être peinard. Donc voilà, allez, c'est parti. On va voir la grotte. Je prends l'armure, on sait jamais. Je vais pas y aller non plus trop vite. Je voudrais pas tomber sur quelqu'un. Alors, en fait, je m'étais déplacé vers le village autochtone que je vous avais déjà montré. Et j'ai suivi un chemin qui partait du village. Et je suis tombé là-dessus. Alors, attendez, ça c'est quoi ? Des canards. On va laisser tranquille les canards. Hein. C'est pas mes ennemis préférés, on va dire. Ouais, typiquement un chemin comme ça, là, qui montait à partir de derrière. J'en profite pour récupérer les vêtements. Ça sert toujours. Notamment là, je vais en avoir besoin pour faire des torches. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'avais marqué un point de repère au début. Voilà. Pour retrouver l'endroit, justement. Et après, je me suis dit, bah, fais-toi une cabane. Essaye de faire une cabane dans un arbre. Et j'ai réussi. Donc, je me suis fait une cabane dans l'arbre. Donc, j'ai coupé... Voyez. Voilà, j'ai coupé... Pardon, excusez-moi. Tout ce qu'il y avait là-bas. Pour faire cette cabane. Voilà. Désolé pour l'oiseau. Donc, celle-là, c'est pas mal. Hein. C'est sympa à faire. Je vais vous montrer comment ça se place. Voilà, je vais en refaire une autre. Enfin, je vais faire semblant d'en faire une autre. Sur certains arbres, ça se place tac, comme ça, avec le... Avec, on met la corde du côté qu'on veut. Hop là. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc j'ai fait ça et ça m'a permis de passer parce que, en fait, j'avais eu... Hop. Il faudrait que je fasse une... J'ai envie de me faire un système de plateforme et tout ça. Donc ça m'a permis de passer une nuit tranquille là-haut. Avant de rentrer dans la grotte. Allez, c'est parti pour la grotte. Oh, une canette. On va la prendre, au cas où j'ai soif là-dedans. Allez, j'y suis. Ça rame un petit peu. Mais là, ça y est, c'est très sombre. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire... Non, c'était pas ça. C'était l'inventaire. Ah, j'ai mangé un... Je me suis trompé, j'ai mangé un truc. Voilà, ça sera moins sombre. Je vais garder le briquet aussi, parce que je sais que je vais me faire attaquer dans cette grotte. Hein. C'est pas... Je suis allé à peu près juste un peu plus loin. Ils sont sympas, ils donnent des bâtons au cas où on est oublié d'en prendre pour faire des torches. Voilà. Là, ils nous préviennent qu'il y a des autochtones. C'est habité et là on les entend qui arrivent. Voilà, moi je suis allé à peu près là et là c'est là où où les ennuis commencent.
Là, je me suis fait attaquer la dernière fois. Oui, regardez, là-bas, il y en a un qui dort, on dirait. Il y en a deux qui dorment. Si je pouvais leur coller une flèche. Ouais, non, pas super. On va aller les voir hein, de plus près. Voilà, là-bas, on va essayer d'aller. Alors, c'est dégueulasse cet endroit. Il y a des bras, il y a des intestins, il y a tout ce qu'il faut. Des billets, des pièces. Parfait, ça sera bon pour le feu. Allez, il se réveille pas. Ah, ça c'est marrant ça par contre. Pour leur mettre le feu. Oh merde, Oum. On va refaire une torche. On va rallumer, vite fait. C'est en tout cas le feu, ça a l'air efficace. J'ai récupéré une dent, ça c'est pas mal. Ça j'en ai déjà plein. Ok. Donc voilà, j'étais pas allé plus loin dans cette grotte, donc on va visiter. C'est dégueulasse. Il y a des valises et des bras partout, des mâchoires. Oh là là, c'est ignoble. J'adore vraiment ce jeu, mais il est de pire en pire, je trouve. Il y a de la lumière. Bon, en tout cas, la torche face aux autochtones, ça marche bien. Là, ça a l'air de descendre. Je sais pas si vous y voyez bien. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça. Après, il y a deux endroits où ça descend. Et on va aller voir par là-bas ce qu'il y a. C'est un poil flippant, j'espère que j'arriverai à retrouver la sortie. C'est quoi ça? Oh, c'est dégueu. Des crânes. Oh, c'est dégueulasse. Attendez. Un dessin. Ah, je pense que je fais avancer la quête là. Ah, c'est le petit robot, j'ai vu qu'il y avait un haut fait avec un robot. Ça doit être ça. Ça c'est quoi? Je sais pas. Des morceaux de gens. Ça c'est un cœur humain. Super. Ah berk. Ok, donc ça c'est dégueulasse. On est tous d'accord. On va récupérer les bâtons. Ça c'est bon. Oh putain! Oh, la chauve-souris m'a fait flipper, je vous l'avoue de suite. Des bouts de doigts. Pardon, petite erreur de souris. Faut pas faire ça en combat. C'est quoi ça? Il est vivant ou mort lui? Lui il est mort. Un petit morceau de structure, mais. Ah, je dois pouvoir le péter ça. C'est vraiment dégueulasse cette grotte. Je m'attends au pire à tout moment quoi. C'est quoi ça? Spécial.
On va rallumer. Alors lui, c'est... Il y a un mec crevé là. Vraiment dégueu. Bon, les cordes, j'en ai déjà plein. C'est pas la peine d'en avoir. Bon, lui, c'est un mec qui avait scellé son bout de grotte. Oh, il y a des intestins et tout, c'est dégueulasse. Ouais, je sais pas trop où je suis. Ah, je crois que je suis revenu à l'endroit du début là. Ouais, c'est ça. Je peux suivre soit la piste du crâne, soit cette piste là. Là, il y a une corde, ça a l'air sympa. Ça a l'air très haut par contre. On va descendre. Hein. J'espère qu'il n'y a pas un comité d'accueil en bas. Putain, c'est haut. T'arrêtes pas briquer. Oh là là. Je m'attends au pire. Mais vraiment au pire. Alors voyons voir. Des bâtons. Des gens. Ça c'est un truc dégueulasse. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est dégueu. Ouais. Des cassettes. Lost Shrindre. Les enfants perdus de la péninsule. Ouais, super. Ah, des médocs, mais ça j'en ai plein. Des tissus. Ah, je peux pas le casser ça. Attendez, je vais essayer d'ouvrir les valises. Balle de tennis, super. Alors, une torche. Je refais des torches, je suis désolé. Alors, on en était là. Oula, c'est quoi ça? Flair. J'ai des flairs. Mais ça, c'est de la dynamite. Ah, trop fort. Où est-ce qu'elle s'est mis la dynamite? Ça, c'est mes flairs. La dynamite, je la vois pas. Là. Ça c'est cool. De la dynamite c'est bien. D'avoir un stock de dynamite ici. Oh. Ah ouais, une moderne axe. Par rapport à mon speed 5, damage 7. Alors que speed 3, damage 3, 6. Pas tout à fait 7. Et bloc énorme. Ah bah ça c'est ma nouvelle arme quoi. En gros. Je vais le mettre en main. Une grosse hache qui fait mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, j'ai bien fait de venir. Du coup, est-ce que je pourrais foutre ça? En 3. Je vais mettre ça. Ça m'évitera de repasser par l'inventaire à chaque fois. J'espère que je vais pas me faire attaquer là, parce que je suis vraiment pas... Des canettes, on va en boire une d'ailleurs. On va manger une barre de chocolat. On va prendre tout le soda qu'on peut. Ça sert toujours. Alors, ça c'était quoi, de la peinture? Ça c'est mal. Allez, remontre-moi. Murder. Putain, je sais pas trop ce que c'est ça. Un pinceau. Bon, bah cette cave c'était une bonne chose, j'ai bien fait de prendre ce chemin là, en sortir de là. Je vais aller voir essayer les autres chemins. J'ai toujours très peur hein, mais j'ai très envie de sauvegarder. On va essayer de monter vite fait là. Putain, c'est haut. Hein. J'espère qu'il y a personne qui m'attend en haut maintenant. Je vois le crâne, ça y est. Ah, je pourrais faire des lampes en crâne, c'est joli aussi. Ça va être ma prochaine idée déco. T'as 20 minutes dans une cave, c'est flippant à souhait, putain.
j'ai plus de stam. On va laisser remonter un peu la stam. Parce que s'il y a quelqu'un en haut, je suis mort. Non, c'est bon, il y a personne. Je vais aller suivre l'autre crâne qu'il y avait par ici. C'était par là-haut, je crois. Là, je suis venu par là, j'ai trouvé des trucs. Putain, ça descend. J'aime pas quand ça descend. J'ai l'impression que je vais tomber sur des trucs. Oh là là. Oh putain, il y a des crânes là-bas. Ça pue. J'ai vraiment envie d'aller sauvegarder. Je me rappelle plus comment on fait un upgrade stick. C'est dommage, hein. Putain, je suis profond. Putain, ça y est, il y a des morceaux. Là c'est dégueulasse. Là ça pue grave. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Des espèces de bébés dégueux là. C'est ignoble. Je sais pas pourquoi je vais par là. Non, franchement je me casse. J'ai trouvé un petit morceau là, je vais explorer un autre passage, là c'est vraiment trop dégueu. Je me sens pas encore prêt. J'ai pas sauvegardé depuis un moment. Hop là, on va passer ici. Je pense que les bestioles là, elles devront pas pouvoir me suivre par là, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Je pense que ça c'est fait exprès pour se donner une échappatoire. Je suis pas encore prêt à aller visiter ce morceau là de la grotte. On reviendra, mais je veux sauvegarder avant parce que j'ai trouvé une super hache. Bon, je pourrais y revenir, hein, mais j'ai pas vraiment envie. J'ai fait chercher de ce côté. Alors j'étais venu par là. Là il y avait, bon là c'était déjà pas mal dégueu dans le genre. Ça restait raisonnable. J'avais vu du par là, non peut-être. Non, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que j'avais vu un passage que j'avais pas exploré? Là-bas j'ai cassé le petit morceau. Ici, ouais. Là il y avait un passage, je l'ai pas exploré, ça m'a l'air un peu moins crade. Ouais bon, je dis ça, c'est pas bien moins crade on va dire. Oh il y a des entrailles partout, c'est dégueulasse. En tout cas ça monte, je préfère quand ça monte, je sais pas pourquoi. Je me sens moins dans les entrailles de la terre. Attendez, hop, on va remettre un peu de lumière. C'est dégueulasse. J'adore ce jeu, mais je le déteste en même temps. Alors c'est quoi ça? Oh putain, une boussole. Une map. Oh putain, une map et une boussole. Oh, mais j'ai bien fait de venir là. Hein. Oh, attendez, je vais manger ça. Oh, c'est pas ça que je voulais faire.
Putain, j'ai trouvé une map et une boussole. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, quoi. Des pièces. Je crois que ça sert à faire des bombes. C'est bien crade ici aussi, tiens. Ah, j'ai trouvé un passager. Le passager du siège 9B. J'ai trouvé le 9C aussi, tiens. J'espère que je vais remonter avec ça. Là, j'en peux plus de cette grotte. Qu'est-ce que je vais être, hein? Ok, je suis remonté. Super. Oh, c'est dégueulasse. Encore un endroit dégueulasse. Oh, vous voulez des balles de tennis? C'est ignoble. Je sais pas du tout où je suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller un marqueur. Je vais essayer de faire un marqueur. Je me rappelle plus où c'est, mais voilà. Stick marqueur. Merde. J'en ai fait combien? On va mettre un truc jaune. Ouais, jaune c'est bien. Pour retrouver le coin. C'est dégueulasse. J'ai trouvé encore un passager. Je suis plein de sang, c'est dégueulasse. Il va falloir vraiment que je me casse de là. C'est une horreur ce jeu. J'ai trouvé encore un passager. C'est un village autochtone dégueulasse. Putain, les raquettes et tout. Il y a un avion de tennisman qui a dû s'échouer. Putain, c'est dégueu. J'ai du mal à supporter ce jeu des fois. Hein. C'est quoi? Des colis. Ah, j'ai bien fait taper dedans. Des cartes mères. Circuit de board. Bon. Sur ce, on se casse de là. Oh, des flares. Je vais essayer de retrouver ma base. Parce que je sais pas du tout où je suis. Ah ouais, mais maintenant j'ai une map. On va partir par là. On va essayer d'éviter les ennuis. On reviendra dans la grotte pour faire la partie basse là, mais d'abord je veux sauvegarder, absolument. Parce que cette hache a l'air de couper du bois. On va essayer d'éviter les autochtones. On va essayer d'éviter de se... Encore un truc dégueulasse. De pire en pire. Hein. Attendez, ça c'est un piège. Non, c'était pas un piège, mais c'était pas loin. Là, c'est la balade au pays du dégueu. Alors là, les deux petits rouges, là, ça doit être ma cabane dans les arbres.
Et après, derrière, c'est ma base principale. Je vais essayer de rejoindre la cabane. Je sais pas quelle heure du jour ou de la nuit on est là. Je suis plein de sang. C'est absolument dégueulasse. Ok, je vois à peu près où je suis. Oh putain, il y a les autochtones, je les ai vus. On va essayer de monter là, voir s'ils me voient ou pas. Je les ai vus derrière. Mais bon, j'ai pas spécialement envie de les combattre maintenant. Ouais, regardez ça. Oh, il y a un truc dégueu là-bas. Un truc plein de bras et plein de saleté là. Bon, ça je me le garde pour la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va sauvegarder. J'espère qu'il m'attaque pas dans l'arbre. Voilà, jour 20. Ça va être le jour 23. Donc voilà. Bon, mais merci d'avoir regardé cette vidéo grotte avec moi. D'avoir stressé avec moi. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer là. Ils sont pas en train de monter dans l'arbre. Hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me dire si je dois y aller ou pas dans le fin fond de la grotte avec les espèces de bébés monstres morts partout. Là, moi ça me tente pas vraiment, mais il va falloir que j'y aille, je pense. Hein. Et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao, ciao.